Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo vraiment cool. Il va s'agir de mes pyjamas AliExpress. Avant toute chose, je voudrais faire une petite parenthèse. Donc ça fait plus d'un mois que je n'ai pas fait de vidéo. Je tenais sincèrement à m'excuser. Pour ceux qui me suivent, vous savez, j'ai eu quelques petits problèmes de santé, malheureusement. C'est des choses qui arrivent et qu'on ne contrôle pas. Donc voilà, je suis vraiment désolée. Mais voilà, je suis enfin de retour. Alors tout d'abord, le premier article que je vais vous présenter, c'est celui que je porte sur moi actuellement. Donc c'est un pyjama avec le logo de Mini. Il est juste trop mignon ce pyjama. Au niveau de la matière, c'est extrêmement agréable. Ça vous fait une matière un petit peu, comment vous dire, pilou-pilou. Vous voyez, c'est doublé. Donc ce que j'aime beaucoup avec ce pyjama, déjà c'est qu'il a une petite capuche. Voilà. La capuche a deux liens avec des petits flocons, on va dire. Donc elle peut se serrer ou se desserrer. Au niveau des manches, vous avez un petit élastique, mais qui n'est pas trop serré, donc tout va bien. Ensuite, vous avez deux petites poches sur les côtés. Et ensuite, ce que j'aime bien avec ce pyjama, c'est qu'il est séparé. Le haut est séparé du bas. Donc le bas, c'est un pantalon extrêmement simple, hein, qui se présente comme ceci. Et qui est exactement de la même qualité. Alors au niveau de la taille, c'est une taille unique, donc faites très attention. Moi personnellement, je fais une taille SXS et il me va parfaitement. Il y a juste quelque chose que j'ai dû modifier sur ce pyjama. C'était l'élastique du pantalon. Il était très serré. Après, il y a des gens qui aiment bien les pyjamas qui tiennent bien. Moi, je préfère être vraiment à l'aise dans mes pyjamas. Donc, je me suis arrangée avec ma grand-mère pour le reprendre. Mais sinon, l'élastique que j'avais sur le haut allait très bien. Donc, je veux dire, à ce niveau-là, sinon, il n'y avait pas vraiment un problème de taille. C'était juste que l'élastique, moi, je le trouvais trop serré. Donc, ce pyjama, il m'a coûté 24,69 $. Ensuite, un autre pyjama que je vais vous présenter, c'est un pyjama combinaison cette fois. Il n'y a pas deux pièces, c'est vraiment tout uni. C'est un pyjama Hello Kitty. Donc moi, je le trouve juste trop mignon. Je l'adore ce pyjama. Donc vous avez une petite capuche qui se présente comme ceci, avec vraiment la tête d'Hello Kitty, le petit nœud. Ensuite, vous avez plusieurs boutons jusqu'à la taille. Voilà, il est comme ceci à l'arrière. Vous avez vraiment tous les petits détails de Hello Kitty, vous avez même la petite queue, c'est trop mignon. Voilà, vous avez un zip comme les grenouillères des enfants. Au niveau des manches, donc c'est des petits élastiques assez classiques. Au niveau des pieds, c'est la même chose. Voilà, alors ce petit pyjama combinaison Hello Kitty, 20,39 $ et je l'avais pris en taille M. Ce qui correspond parfaitement à une taille S. Après, c'est vrai qu'il me va un petit peu large en bas, mais moi je préfère toujours être à l'aise dans mes pyjamas que ce soit trop serré. Ensuite, toujours sur le même principe, un deuxième pyjama Hello Kitty que j'ai pris en combinaison, donc c'est celui-ci. Il ressemble beaucoup à l'autre. L'autre avait des pois, celui-ci est complètement rose. Vous avez également donc des boutons. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des petites poches sur celui-ci où il y a écrit Hello Kitty. C'est des poches à l'avant, alors que les autres, c'était des poches sur les côtés. Vous avez également deux petits élastiques au niveau des manches et au niveau des pieds. Vous avez aussi la petite queue derrière avec un zip type grenouillère. Alors celui-ci m'a coûté 21,24 $ et je l'ai aussi pris en taille M. Ensuite, je me suis pris des pyjamas un petit peu moins épais parce que je me suis dit que les pyjamas, voilà, en grosse polaire comme ça, super doux et tout, c'était bien pour les grands froids. Mais après, pour la période un petit peu plus chaude, entre guillemets, l'automne, je m'étais dit que ça serait bien d'avoir des pyjamas manches longues, mais à ce moment-là, un petit peu moins chaud. Je me suis pris ces petits pyjamas-là. Donc celui-ci, c'est un manche longue classique. Il y a écrit Hello Kitty avec à chaque fois le petit visage d'Hello Kitty dessus. Il est assez fin. C'est comme la matière d'un t-shirt en coton, hein. C'est exactement pareil, c'est assez fin. Vous aviez avec un petit pantalon. Donc le pantalon se présente comme ceci. Vous avez un petit élastique à la taille. C'est pareil, c'est exactement les mêmes motifs. Donc celui-ci m'a coûté 9,49 $ et par contre, faites attention, pour un taille S, il fallait prendre un L, donc il taille assez petit. Après, j'ai pas dû reprendre l'élastique à la taille, donc c'est nickel.
Donc du coup, vu que j'ai beaucoup aimé ce petit pyjama, je l'ai pris également en Mickey. Donc le Mickey, il se présente comme ceci. Il y a écrit Disney à chaque fois avec le petit visage de Mickey. Pareil, hein, manche longue. Alors moi, je l'aime beaucoup, beaucoup celui-là. Et vous avez également avec le petit Ponty avec un élastique toujours à la taille. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter ma commande sur mes pyjamas AliExpress. Je tiens à vous dire, j'ai vraiment adoré la qualité de ces pyjamas. Je pensais pas que pour 20€, je pouvais avoir une qualité aussi bien. Il faut savoir que quand on achète des pyjamas un peu comme ça à Disney ou dans les magasins spécialisés, c'est des pyjamas qui peuvent coûter jusque dans les 40€. Et là, je trouve que sur AliExpress, c'est vraiment, vraiment pas cher. Ils tiennent vraiment tous très chaud. Ils sont super agréables à porter. Franchement, j'ai rien à redire. Si vraiment ça vous intéresse, foncez carrément. J'espère que cette petite revue vous aura plu. Si jamais vous avez des commentaires ou quoi, n'hésitez pas. Et puis je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Bye bye !